Est terminé. Tout d'abord, qu'il vous a plu. Je voulais juste vous donner un petit peu mes impressions puisque c'était un petit peu un Get Ready crash test. Sur les trois produits que j'ai reçus, tout le reste, ça a été payé avec ma monnaie. Pour les éponges Beauty Blender, je les ai reçues dans un petit kit avec ce savon pour nettoyer. Je connaissais déjà celle-ci que je m'étais achetée il y a 3 mois. C'est vraiment une des meilleures éponges que j'ai testées. J'adore. J'étais un petit peu sceptique, je savais pas trop à quoi penser parce que voilà, je m'étais dit c'est un petit peu gadget, mais en fait c'est vraiment très sympa pour appliquer l'anti-cerne et le correcteur. Ça a un résultat naturel, ça fait pas trop surcharger. J'ai un petit code promo spécial pour vous, avec moins 40%. Ça a commencé le 2, donc je suis désolée, la vidéo n'était pas faite. Et c'est jusqu'au 13, je sais plus exactement, donc je vous mettrai de toute façon le code et la date ici et en barre d'infos. Le mascara Perversion de chez Urban Decay, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il sera beaucoup mieux en plus avec le temps. J'aurais peut-être ajouté un tout petit peu plus de volume parce que moi c'est vraiment du volume qui me manque. Niveau longueur et volume, c'est très bien. C'est la première fois du coup que je l'utilisais, j'aime beaucoup. Pour ce fard, c'est le fard Solstice, c'est ça, de chez Urban Decay. C'est dans les... dans les fards à paupières Moondust, mais juste magnifique, du haut chrome. Un conseil, je vous conseille d'humidifier votre pinceau, que ce soit avec le Fix Plus comme moi ou autre chose, parce qu'il contient des paillettes, et ces paillettes chutent. Si vous voulez plus de Get Ready et de Get Ready crash test comme ça, n'hésitez surtout pas à me le dire, ça me ferait très plaisir. Pas à me dire si vous connaissez ces fards, ces produits, ce que vous avez préféré sur ce maquillage comme produit. À me donner vos impressions en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !